Elle s'appelle Facile, mais ne vous fiez pas à son nom, la jeune fille a du caractère. Et pourtant, les 9 élèves de terminale du bac pro conduite et gestion de l'exploitation agricole du lycée de Pétré savent très bien comment s'y prendre. Il faut dire que depuis des mois, ils dressent et prennent soin de cette charmante Primolstein qui va bientôt découvrir les feux de la rampe. À partir du 27 février, la classe participera en effet au Trophée national des lycées agricoles au Salon de l'agriculture à Paris. Un rendez-vous important qui comprend donc de nombreuses épreuves. En amont, il y a eu la préparation d'un blog donc, qui présentait le lycée, son exploitation, les formations, la vache. Ensuite, il y avait la réalisation d'une affiche sur le thème 50e anniversaire du Salon de l'agriculture en 2013. Quel salon en 2063, c'est-à-dire dans 50 ans. Il y a eu ensuite donc la préparation de la vache pour les deux dernières épreuves qui ont lieu à Paris, c'est-à-dire le clipage, c'est-à-dire la tonte, la préparation pour mettre en valeur l'animal, qui sera noté par des gens de Primolstein France, donc l'organisme de sélection de la race, et aussi donc l'épreuve de présentation sur le Grand Ring, donc le dimanche 3 au matin, donc présentation de 5 minutes par les 6 élèves participants au trophée. Et où l'exploitation et le lycée seront présentés en français et la vache en anglais. Et cela fait des mois que les élèves préparent cette épreuve et ce, en dehors de leurs heures de cours. Là, on a commencé à peu près au 15 décembre, donc tous les mercredis après-midi, depuis le 15 décembre, ce qui commence à faire quelques heures. Et quelques moments aussi, donc dans la semaine, quand ils avaient des heures d'études, ils pouvaient venir préparer leurs vaches. Donc c'est vrai que c'est un vrai investissement. Donc ils ont répondu présent, ils étaient motivés, ils sont motivés et donc c'est parfait. Une quarantaine d'établissements participera à ce trophée, y compris des élèves niveau ingénieur. Autant dire que la concurrence sera rude. Il y a donc du bac pro, du BTS, mais aussi des écoles d'ingénieurs. Donc c'est vrai que à partir d'un niveau très hétérogène, on a des épreuves qui sont les mêmes. Donc ils se défendent. Face à des écoles d'ingénieurs. On croise donc les doigts pour ces jeunes et pour Facile. Résultat de ce concours début mars.